mes déplacements me permettent de parler. Souvent, comme vous dites, des fois, on est pris par le temps, donc c'est très rapide. Moi, je décide toujours de... Je ne parlerai que de ce que moi j'ai fait, et c'est toujours de prendre le temps de parler à tous les acteurs. Lorsqu'on parle de l'inclusion par le sport, il faut parler aux acteurs encadrants, il faut parler au mouvement sportif, il faut parler aux collectivités territoriales, aux parlementaires et économiques. Donc je prends le temps, c'est toujours aussi vraiment, je dirais, ingénieurisé, parce que l'idée c'est de repartir avec des informations concrètes, partir aussi avec des dysfonctionnements. On est là aussi pour remonter des informations, mais on est dans la co-construction. Vous n'avez pas uniquement parlé avec l'encadrement, avec les responsables des structures, mais vous avez fait aussi passer un message aux jeunes sportifs, fiers d'être français. Dites-nous un petit peu ce que vous leur avez dit. Ben, je vous dirais, c'est un peu leur rôle. Ce sont des jeunes qui sont en train de faire des doubles cursus, qui ont des rêves olympiques, non-olympiques, paralympiques, et qui, quelque part, vont porter le maillot bleu-blanc-rouge. On a vu cette année cette fierté d'être français gérée de par nos champions footballeurs. On a eu du tir à l'arc, on a eu pendant toutes ces périodes de vacances de très beaux résultats, et à chaque fois, il y avait cette fierté de rendre. Et eux, ils sont en fait dans le démarrage de leur cursus, et l'idée, c'est de toujours faire des piqûres de rappel, c'est sachez d'où vous venez, respectez votre région, vos départements, mais si vous mouillez le maillot, mouillez-le bien. Donc effectivement, ce sont des jeunes qui vont voyager et qui seront aussi regardés. Et ce n'est pas que lorsqu'ils sont gérés athlètes seniors, c'est dès maintenant qu'on doit leur aussi apprendre et les sensibiliser sur l'appartenance et le bienfait en fait de leurs gestes. Même s'ils ont 10 ans, même s'ils ont 12 ans. Voilà, le retour sur investissement, voilà, ils deviennent des leaders, des porte-parole de notre pays. Donc voilà, il y a ce rapport avec les valeurs qui me semble très important.